Le pire est à venir. Voici la principale conclusion des 4000 pages du projet de rapport des experts du climat de l'ONU. La vie sur Terre peut se remettre d'un changement climatique majeur en évoluant vers de nouvelles espèces et en créant de nouveaux écosystèmes. L'humanité ne le peut pas. Des effets cataclysmiques qui arriveraient bien plus tôt que prévu. Le pire est à venir, avec des implications sur la vie de nos enfants et de nos petits-enfants, bien plus que sur la nôtre. Famine, inondations, sécheresses, cyclones, pénurie d'eau, extinction d'espèces. La vie sur Terre, telle que nous la connaissons, sera d'ici à 2050 inéluctablement transformée par le dérèglement climatique. Il y a des villes aujourd'hui qui seront demain des Atlantides. Pas seulement des parties de villes, mais des villes entières. Ce ne seront pas des mythes, car ces villes auront vraiment existé et nous raconterons des histoires à leur sujet. Nos efforts pour stopper le changement climatique sont destinés à protéger nos vies que nous avons aujourd'hui, mais dessinent aussi les histoires que nos descendants raconteront sur nous. Il y aura beaucoup d'histoires sur ce que nous avons perdu et sur les choses qu'on n'a pas réussi à protéger. L'accord de Paris pour le climat est accepté. En 2015 à Paris, le monde s'était engagé à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Le rapport, lui, estime aujourd'hui que dépasser les 1,5 degrés aurait déjà des conséquences désastreuses et parfois irréversibles. Ce seuil pourrait être dépassé en 2025. Même à plus 1,5 degrés, les conditions de vie vont changer au-delà de la capacité de certains organismes à s'adapter. Le rapport souligne que pour de nombreuses espèces d'animaux et de variétés de plantes, il serait certainement déjà trop tard. Je pense que les histoires que nos descendants vont raconter à notre sujet ne seront pas très généreuses, à moins que nous arrivions à réduire considérablement notre pollution. Les mesures prises actuellement seraient, selon le rapport, largement insuffisantes pour répondre aux futurs risques climatiques. Des conclusions alarmantes, cataclysmiques, et une note d'espoir à la fin du rapport, à condition de changer radicalement nos comportements. Nous avons besoin d'une transformation radicale des processus et des comportements à tous les niveaux. Individus, communautés, entreprises, institutions et gouvernements. Nous devons redéfinir notre mode de vie et de consommation. Le rapport des experts climat de l'ONU sera officiellement publié en février 2022.